Ce dimanche, le 2 septembre 2018, le journal Iwacu du directeur Antoine Kaurahe a donné une aide à la famille de Jean Bigirimana, journaliste porté disparu en 2016. Jean-Marie Vianney Ichuburundi, président de l'association des journalistes burundais en exil, AGBE en sigle, nous parle des objectifs de cette visite à la famille éprouvée. L'idée de faire un appel au soutien à la famille de Jean Bigirimana est venu du groupe de presse Iwacu sur l'initiative de son directeur Antoine Kaurahe. Et l'objectif était de collecter des fonds pour venir en aide à la famille de notre confrère Jean Bigirimana qui, comme vous savez, a été enlevé il y a de cela 2 ans et 40 jours. L'objectif était d'aider aux besoins des enfants, surtout les besoins scolaires, les frais scolaires, le matériel scolaire pour les enfants de feu Jean Bigirimana. Le groupe de presse Iwacu et son directeur nous ont mandaté en qualité de président de l'Association des journalistes burundais en exil pour ramener les fonds qui ont été collectés à la famille de Jean Bigirimana. Ce geste témoigne de la solidarité envers la famille de Jean Bigirimana et démontre en suffisance que les gens n'ont pas abandonné la famille de Jean Bigirimana. Malgré les difficultés, ils essayent de venir en aide à cette famille en détresse. Et nous saluons ce geste salutaire en faveur de la famille de Jean Bigirimana et nous demandons à ce que de tels gestes soient multipliés, même pour d'autres circonstances et pour d'autres gens en difficulté. Le même directeur de la GBE parle brièvement de cette activité qui se fera chaque année au mois d'août et remercie vivement ceux qui se sont donnés corps et âme pour cette œuvre de charité. Bon, la valeur de cette aide est aussi autour de 2000 euros. Et nous croyons que c'est suffisant pour subvenir aux besoins scolaires des enfants pour l'année scolaire qui va bientôt commencer. Et ce geste et ne s'arrêtera pas là pour cette année, pour l'année scolaire qui va commencer bientôt. Ça sera un geste qui sera posé chaque année, chaque fois que le besoin se sent. Godebert Hakizimana, veuve de notre confrère Jean Bigirimana, apprécie quant à elle cette aide et demande aux bienfaiteurs de l'aider à poursuivre ses études universitaires suspendues en 2015 à cause de la crise burundaise. Je remercie vivement tous ceux qui viennent de poser ce geste et je demande aux bienfaiteurs de m'aider afin que je puisse continuer mes études. La femme de Jean Bigirimana remercie également la Maison Shalom Internationale qui lui a donné un psychologue pour la suivi de leur fils aîné, Jean de Douglas Warangheza, traumatisé par les malheurs qui se sont abattus sur leur famille, ce qui se remarque sur les dessins comme vous le voyez sur les images. Pour le moment, cet enfant âgé de 10 ans est dans une période de convalescence. Il est le premier de la classe en 3e année primaire à Kigali, au Rwanda.